Alors, on a eu une belle rencontre aujourd'hui avec nos amis, presque nos frères maintenant du Témiscouata. Ouais. Bienvenue d'abord. Ça fait plaisir. Juste à brûle pour point, là, qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans la ville de Grandson? La première chose, c'est l'accueil, la chaleur de l'accueil. Ouais. Je pense que tout le monde, tantôt, je faisais un petit clin d'œil avec les gens, puis les gens disaient, ben, on est bien accueillis, puis c'est le fun, puis ce qu'on sent, la deuxième affaire, c'est qu'on veut faire des choses ensemble. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. On veut se reconnaître, on veut faire des choses ensemble, puis on a beaucoup à apprendre, beaucoup à partager, puis beaucoup à gagner. Ouais. De ton côté, Richard, à discuter, à jaser avec ces gens-là, tu y vois-tu des ressemblances, toi? Ah oui, certainement. À beaucoup de points, hein? C'est deux différentes provinces, cependant, nous vivons les mêmes préoccupations, puis on a les mêmes problématiques, dans le sens qu'il faut travailler ensemble, avec nos voisins, pour essayer d'améliorer les services que nous avons à offrir à la population. Voilà. Puis dans le cadre de la CMA, effectivement, on a un beau projet en avant de nous. Mais moi, ce que j'aime de ça, c'est que je vais quand même forger des bonnes nouvelles relations sur lesquelles je peux bâtir sur d'autres projets, donc dans l'avenir. Donc, c'est tout bon. Ah, on est avec Renaud, qui est le maire adjoint, en fait, à Grandson. Renaud, tu es un peu l'instigateur de cette belle rencontre-là, puis tu y as sûrement découvert des gros avantages. Hein? Certainement. Michel, je dirais que je suis très content parce que on a vécu aujourd'hui une journée, je pense, qu'on se devait de faire depuis longtemps. C'est une journée où on va faire un échange culturel, touristique, sur tous les volets, où est-ce qu'on va pouvoir échanger dans le futur la façon de faire. Comme le maire de Témiscouata nous disait à un moment donné, il y a des choses qu'il peut échanger avec nous autres, qui peut faciliter beaucoup nos opérations. Puis je pense que, prends comme un exemple, les autres aussi, de leur côté, notre plan vert, je pense que a été un atout pour tout le monde, puis on va vraiment le développer, puis on va le partager. Voilà. La prochaine étape maintenant vis-à-vis de CMA, des rencontres de communautés comme ça, c'est extraordinaire. Reste encore nos amis américains à aller voir. C'est ça. On va aller voir nos amis américains. Puis après ça, disons qu'après avoir vu nos amis américains, je pense que ça va être à nous autres de développer après ça un logo qui va nous relier tous ensemble. Voilà. Qui va nous relier puis qui va nous faire en sorte que ce logo-là va nous poursuivre puis va nous donner un indicatif que, oh, on ne peut plus se permettre de faire les choses seuls. On les fait ensemble. Voilà. Et c'est ça l'objectif, hein? Et l'objectif du CMA, c'est ça aussi. L'objectif du CMA est de pouvoir partager dans le futur. Voilà. Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus, là? Le plus. Je pensais pas que Grandson était une ville aussi dynamique que ça. C'est vrai, hein? Oui. Formidable tout ce qui se passe. Oui. C'est impressionnant. Oui, c'est vrai. Alors, je suis vraiment encouragé de voir l'échange qui s'est passé cet après-midi entre les deux groupes. Puis, je pense qu'on a beaucoup de choses en commun, puis ça vaut la peine de l'exploiter. Voilà. Alors, mais c'est l'exemple que c'est le genre de choses qu'il faudrait faire plus souvent. Hein? Parce que justement pour les raisons que tu viens de dire. Absolument. Puis je pense que le Congrès mondial nous donne peut-être un véhicule de commencer certaines choses. Voilà. Puis une fois que c'est en marche, je pense que ça pourrait continuer dans bien des années à venir. Absolument. C'est deux belles régions qui ont beaucoup de choses en commun. Voilà. Ils sont tous les deux situés sur des belles rivières qui se vident dans le fleuve Saint-Jean. Puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose en commun qu'on peut faire aussi au niveau touristique, au niveau économique. Tout à fait. Pour vous autres, le Congrès mondial acadien, ça veut dire quoi? C'est une grande fête, c'est une occasion aussi de faire connaissance avec nos voisins, qui est extraordinaire. C'est aussi, de façon un peu plus égoïste, une façon pour nous de se faire connaître également. Voilà. On a une région qui est magnifique, qui gagne à être connue, et c'est une opportunité en or de se faire connaître comme ça. Tout à fait. Il semblerait qu'on a beaucoup de dénominateurs communs entre les deux régions, en voyez-vous? Certains, c'est sûr qu'on a des défis, on est des régions éloignées déjà au départ, donc on a des défis communs de cette façon-là. C'en est un gros. Ça se ressemble avec nous autres, définitivement. On a un monsieur qui est avec la Chambre de commerce aussi, alors, excusez-moi, je vais juste me tasser. Alors, au niveau des chambres de commerce, on en a une aussi, vous en avez une qui est nombreuse d'ailleurs, je vous félicite. Il y a des défis là aussi par rapport à tout ce qui va se passer, puis les événements, puis tout ça.
Oui, en effet, c'est sûr qu'il y a des rapprochements à faire. C'est une super belle occasion pour créer des rapprochements avec nos homologues du Nord-Ouest, du Nouveau-Brunswick et du Maine aussi. C'est sûr qu'avec le Maine, il y a des enjeux qui sont différents par rapport à, pour les transactions commerciales, par rapport à la douane et tout ça. Mais on veut quand même créer des rapprochements, apprendre à se connaître, apprendre c'est quoi nos produits respectifs. Voilà. Et puis développer des opportunités à partir de là, coopérer aussi. Alors, ça prouve en fait hein, que les frontières, c'est juste sur des cartes géographiques. Quand on rencontre les gens, bien là, on a des appartenances qui sont... Oui, puis c'est extraordinaire que le Congrès mondial acadien nous donne une occasion justement de d'atténuer ces frontières-là. On ne pourra pas les effacer complètement, c'est impossible. Elles sont là politiquement, puis elles vont rester, mais de quand même créer des canaux d'échange à l'intérieur de ça, ça va être très intéressant. Alors, on est avec deux belles représentantes du Témiscouata qui ont participé à cette rencontre cet après-midi. D'abord, je vais vous demander vos impressions. Comment a été la rencontre? Ah, c'est très bien. Oui? Très bien reçu aussi. C'était très, très intéressant. C'était-tu votre première visite dans notre région en Grand Sault? Officiellement, oui. OK. Mais pour avoir déjà passé, je passais à quelques reprises, ouais, mais ouais, pour arrêter vraiment, pour voir, c'était la première fois. Alors, vous êtes conseillère municipale dans votre région. Qu'est-ce qui vous a frappé comme similitude à travers les deux? En fait, on est presque frères et sœurs maintenant. Dénominateur commun, ça serait quoi? L'eau. Voilà. L'eau est commun aux deux, mm-hmm, aux deux municipalités. Mm-hmm. Et aussi, je pense que l'affinité des gens, c'est... On n'a pas eu de misère à faire consensus, hein, si mm-hmm, vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Ça se prêtait et bien. C'est fait, facilement, ça. Facilement. Bravo. Bravo. Vous êtes très accueillant aussi, là, non? Ah, oh, ben, on n'est pas riche, mais on est fin. C'est très bien dit. Ouais. C'est typique du Nouveau-Brunswick, ça, monsieur. Ah oui, hein? Oui. Ouais. Les gens sont accueillants. À tous les... Ouais. J'ai mon cœur d'Acadienne, parce qu'à tous les étés, je suis dans le coin de Chediac, Cap-Pelé. Vous, vous avez ça dans les veines, comme on dit. Ah oui, oui, ah, oui. Hein? Moi, là, ce qui m'a toujours frappé, c'est l'accueil des gens. T'arrives là, puis c'est comme si tu faisais partie de leur famille. C'est oui, oui, ouais, moi, c'est...